mesdames, messieurs. Je m'appelle Alan et on va vous présenter le prix scolaire de Casson. Qu'y a-t-il comme jeu dans cette retraite? Il y a un panier, il y a un ballon, on peut faire du foot, il y a des grillages pour les buts, il y a des vélos, des trottinettes, des ballons sauteurs et tout plein de choses. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Ethan. En fait, on a le droit de jouer dans la récré toute la journée parce que des fois on a le droit de jouer quand on mange à la cantine et quand on mange au pire scolaire. Et ici c'est très intéressant parce que c'est très intelligent, on peut faire des dessins. Et surtout, on a le droit de jouer partout. Alors, du 2 au 23 novembre, nous avons un atelier chanson le lundi. Super! Bonjour madame, que se passe-t-il derrière nous? Il y a un atelier tissu. Et ils font des boîtes pour Noël, je crois. Que font-ils exactement avec le tissu? Je crois qu'ils le collent sur les boîtes pour que ça fasse jouer. Combien de temps dure cet atelier? Il dure une heure. Du 3 au 24 novembre, nous avons un atelier de tableaux en graines le mardi. Super! Et les 5 et 12 novembre, art plastique, le jeudi. Super aussi. Et nous allons présenter la météo. Alors aujourd'hui, il fait 15 degrés dans le nord. Il fait 14 degrés et dans le sud, combien fait-il, Lucas? Je crois qu'il en fait 13 degrés, malheureusement, dans le sud. Bonjour monsieur, alors aujourd'hui nous sommes opérationnaires et que se passe-t-il comme activité après le goûter? Eh bien, va y avoir une activité chant que nous avons déjà interviewé. Il paraît qu'ils chantent très bien. Bah, zoomer, à dézoomer, au travelling avant, travelling arrière, travelling sur côté et à filmer d'autres gens. Et puis à faire des reportages. Ah, il est 5h30, c'est la fin de l'atelier vidéo. Le